Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Thomas Lejeune, responsable de projet Services Essentiels au GRET et je travaille sur les questions d'organisation et de financement des services essentiels. Nous allons explorer ensemble les enjeux de la gestion des services urbains. La gestion de ces services est trop souvent perçue comme une affaire de spécialiste et considérée comme la mission d'un acteur unique, le maître d'ouvrage ou l'entité qui l'a désigné. Nous verrons pourtant l'intérêt d'une gestion mieux partagée, coproduites et quelques pistes pour accompagner cela. Dans ce module Services urbains, vous vous êtes intéressé pour le moment aux étapes amont, c'est-à-dire aux étapes de diagnostic, de planification, de mise en œuvre des services. Nous allons maintenant présenter les enjeux de la gestion des services, pourquoi c'est important. Puis, nous nous intéresserons aux modèles de gestion classiques les plus souvent présentés. Nous verrons ensuite un outil utile pour analyser la gestion d'un service déjà en place et l'importance de saisir les différences fréquentes entre le schéma théorique et la réalité sur le terrain. Enfin, nous introduirons la notion de gestion partagée. Quel intérêt et comment l'accompagner? La gestion des services essentiels urbains. De quoi parle-t-on? Pourquoi c'est important? Pour faire simple, nous choisissons ici de définir la gestion des services comme l'ensemble des règles qui permettent à ces services de fonctionner correctement et dans la durée. C'est essentiel car la grande majorité des services défaillants le sont du fait de problèmes de gestion. Réfléchir à la gestion d'un service, c'est essentiellement se poser les questions suivantes. Quelles tâches sont à assurer pour que le service soit rendu correctement au plus grand nombre aujourd'hui et demain? Quelle est la répartition des rôles entre les différents acteurs pour accomplir ces différentes tâches? Combien cela coûte et comment on le finance? Deux points d'attention lorsqu'on s'intéresse à la gestion d'un service. Diversité des services et applicabilité des normes. Si on s'intéresse à la gestion d'un service, d'alimentation en eau potable d'une ville africaine par exemple, on peut être tenté de ne regarder que la gestion du service principal en réseau, géré par le maître d'ouvrage public. Pourtant, il est fort probable que nombre d'habitants soient en réalité desservis par des services alternatifs, formels ou informels, raccordés au réseau ou non. S'intéresser à la gestion du service de l'eau dans cette ville, c'est donc aussi s'intéresser aux règles de gestion de ces services alternatifs et à l'interdépendance entre ces différentes modalités de fourniture du service. L'autre aspect important, c'est la différence entre la théorie, ce que les textes réglementaires et institutionnels nous disent, et la réalité. Prenons l'exemple de l'assainissement urbain. Il est fréquent que les normes de construction des fosses existent, que la réglementation sur la vidange ou les performances de traitement d'une station existe également, mais leur application n'est souvent pas effective à 100%. C'est important de le saisir. Regardons maintenant les principaux schémas de gestion type pour les services essentiels urbains. Il se distingue généralement par la réponse aux questions suivantes. Qui fixe les objectifs du service? Qui assure les investissements, les réalise et les finance? Qui exploite les infrastructures et qui paie quoi? À quelques rares exceptions près, la responsabilité de fournir les services essentiels urbains revient à la puissance publique, à l'État ou aux collectivités selon les règles de décentralisation en vigueur. Cet acteur public peut ensuite confier sous sa responsabilité tout ou partie de la gestion du service à un acteur tiers, qui peut être public ou privé. Selon le degré d'implication du secteur privé, on distingue alors la régie publique, c'est lorsque le secteur privé intervient très peu sur des marchés de travaux ou de prestations de services ponctuels. Il est alors rémunéré pour ses tâches, indépendamment de l'économie du service, comme le volume d'eau vendue, par exemple. La délégation de services publics de type affermage. C'est lorsque le maître d'ouvrage public réalise les investissements, les infrastructures neuves ou les travaux de renouvellement, et le secteur privé ne fait qu'exploiter, c'est-à-dire faire fonctionner les équipements, réparer, facturer les usagers, etc. La délégation de services publics de type concession. C'est lorsque le maître d'ouvrage public confie, pour son compte et sous sa responsabilité, la réalisation
et l'exploitation des ouvrages à un acteur privé qui finance tout ou partie et se rémunère ensuite sur le prix du service. Les délégations de services publics sont encadrées par des contrats de durée plus ou moins longue et sont soumises à des appels d'offres. Entre ces différents scénarios types, il existe en réalité tout un continuum de solutions intermédiaires. On parle d'affermage concessif, de régie intéressée, etc. Un outil que le GRET utilise souvent pour diagnostiquer le schéma de gestion en place à l'échelle d'un service s'appelle la matrice des responsabilités. Il permet de ventiler, entre plusieurs acteurs en présence, les tâches de gestion d'un service. Deux versions du même outil permettent de mettre en avant les différences entre la théorie et la pratique. On peut aussi utiliser cet outil pour proposer différents scénarios de gestion que les acteurs comprennent et peuvent ensuite choisir ensemble. Et la gestion partagée, de quoi parle-t-on? Quel intérêt? Les schémas de gestion type précédemment présentés ont deux limites principales. Premièrement, on ne voit les usagers que comme bénéficiaires du service ou payeurs de factures. Pourtant, dans de nombreux cas, ils sont en première ligne de la gestion du service. Soit parce qu'ils gèrent eux-mêmes tout ou partie du service. On parle alors souvent de gestion communautaire. Sur ce point, face à la complexité technique, une gestion intégralement communautaire atteint souvent ses limites, en particulier en milieu urbain. Mais des organisations communautaires de base peuvent se révéler néanmoins très utiles pour compléter un service public principal qui aurait du mal à pénétrer dans certains quartiers, par exemple. Soit parce que ces usagers contribuent à réguler le service qui est fourni par les acteurs publics et éventuellement privés. En effet, la participation des citoyennes et des citoyens, qu'ils soient déjà usagers ou aspirent à l'être, est un gage de la qualité du service. Deuxièmement, les schémas de gestion cités précédemment présentent la gestion du service comme la mission d'un acteur unique. Pourtant, les autres acteurs d'un territoire peuvent tout à fait contribuer en fonction de leur mandat, de leurs moyens, à la réussite des services, même s'ils ne disposent pas de la compétence au sens juridique du terme. Par exemple, dans un pays où l'assainissement est du ressort de l'État, les collectivités territoriales ou les organisations communautaires peuvent tout à fait venir en appui au maître d'ouvrage principal pour prendre en charge une partie des infrastructures ou réguler le service. Si cela est négocié, coordonné et que la répartition des rôles est claire, cela ne peut que renforcer le service en question. On a donc vu l'importance des modalités de gestion des services et l'enjeu de distinguer théorie et pratique. Il est essentiel de sortir des schémas types de gestion généralement présentés et d'intégrer les autres acteurs, au premier rang desquels les usagers, même si la maîtrise d'ouvrage est confiée à un acteur principal bien identifié. Cela nécessite cependant d'être à minima formalisé et coordonné, et doit reposer sur les forces et faiblesses respectives des acteurs. Merci de votre attention et à bientôt.